Bonjour, mes bien-aimés. Bonjour et soyez le bienvenu encore à sa présence ce matin. Que Dieu vous bénisse. Prions avant de commencer. Éternel des armées et de gloire, Père très saint, te disons merci. Merci, Père très saint, pour le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Père, nous sommes allés hier soir au lit, papa. Ça, avoir ça d'assurance, peut-être qu'on va voir ce jour d'aujourd'hui, le vendredi 21. Mais par ton amour, par ta miséricorde, par ta grâce, tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie gratuitement, Père très saint, te disons merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour le beau plan que tu as plané pour nous aujourd'hui. À toi qui renouvelle ta bonté chaque matin et ta fidélité pendant la nuit. Te disons merci pour ta bonté, papa, pour ton amour, alléluia, envers chacun de nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Père très saint, te disons merci pour la sécurité que tu as assurée à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la protection divine, Père très saint, quand tu as protégé nos corps, nos âmes et nos esprits toute la nuit et jusqu'à aujourd'hui, te disons merci au nom de Jésus-Christ. C'est dit merci, l'éternel des armées de gloire, pour ta visitation quand tu as visité tes enfants. Aujourd'hui, l'éternel des armées de gloire, merci pour la révélation, merci pour la vision, merci pour le rêve, l'éternel des armées de gloire, que tu as. Alléluia, parlez à tes enfants la nuit, mon Dieu, pour roi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, car tu es Dieu. Tu es Dieu juste pour accomplir tes promesses. Tu es Dieu juste, mon Dieu, mon roi, et fidèle, alléluia, pour accomplir tes promesses dans la vie de tes enfants. Car tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour changer tes pensées, tu es Dieu d'amour. Dieu miséricorde, Dieu compatissant, dans la colère et chaboté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est par ton amour, par ta protection que nous n'avons pas été consumés. Car l'ennemi est venu, mon Dieu, mon roi, son but c'était seulement d'écorger, de tuer. Mais ta main puissante nous a protégés, nous a rachetés, nous a fait sortir de leur prison, Père. Saint, nous te commandons d'action de grâce ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voici encore ce matin, nous recommandons que cette main, Père très saint, recommandons cette journée à tes sept mains, ils seront des armées de gloire. Nous demandons toujours, Père très saint, de continuer à nous protéger. Continue, Seigneur Jésus-Christ, à assurer notre sécurité. Car tu connais ce que l'ennemi a plané pendant la nuit pour accomplir aujourd'hui. Ils ont plané les plans d'envoyer des maladies, des morts brusques, des accidents. Père très saint, mais par ta puissance, par le sang de Jésus-Christ, je viens annuler et rendre nul sens et faire des projets. C'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Car la Bible déclare beaucoup le décès de l'homme, mais c'est le décès de l'éternel qui s'accomplisse toujours. Père, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tes enfants et non la volonté des hommes, ni de la volonté des magiciens, des sorciers. C'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Que tu continues à protéger, que tu continues à combattre nos combats chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te recommande mes bien-aimés qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter plus tard, Père Saint. Leur vie est très précieuse devant toi, Père Saint, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu les guides au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Ce matin, Père, nous voulons écouter ta parole ce matin. Parle-nous. Parle-nous, cher Saint-Esprit, parle-nous, Esprit puissant, puissance là-haut. Mets ta parole dans nos bouches, dans nos cœurs, afin de ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, que je diminue, que tu augmentes, mets ta parole puissante dans ma bouche. Je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi ce matin pour parler à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que ta parole qui va sortir. Ah, la Bible déclare que ta parole est un marteau, est un feu. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, brise le cœur, brise. Papa, il consume tout ce qui n'est pas de toi. Et que ta parole soit la lumière sur le pied de tes enfants. Et ta parole, Seigneur Jésus, que nous éclaire. Et ta parole nous instruit. Cela au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Aujourd'hui, comme cette semaine, nous avons
Bien méditer sur l'épître d'apôtre Jacques. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 5, apôtre Paul, Jacques, chapitre, épître de Jacques, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Jusqu'à 12. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend de précieux fruits de la terre. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, Dieu est amour. Hier, nous avons vu et nous a demandé d'avoir la foi, de nous humilier devant notre Dieu, de marcher avec notre Dieu dans l'humilité, de résister au Satan et il fuira loin de nous. Il nous a demandé de nettoyer nos mains. Il nous a demandé de purifier nos cœurs. Il nous a demandé de nous soumettre à notre Dieu. Alléluia. Et il nous a demandé de nous aimer les uns des autres, de ne pas parler de mal pour les uns des autres, mes bien-aimés, de ne pas juger les uns des autres. Aujourd'hui, il nous parle encore d'être patient, la patience. Il nous parle de la patience, mes bien-aimés. Il dit, soyez donc patients, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le patient jusqu'à l'avènement du Seigneur, puisqu'on ne connaît pas quand Jésus-Christ va venir, mes bien-aimés. Et quand Jésus-Christ va venir, mes bien-aimés, il faut qu'il trouve la foi. Il faut qu'il nous trouve encore debout. Il faut qu'il nous trouve encore en fait à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ne faut pas céder aux tentations. Les tentations, ne faut pas céder aux plaisirs du monde. Ne faut pas céder, alléluia, à l'envie, aux convoitises de ce monde, mes bien-aimés. Et nous devons être patients, patients en attendant l'avènement de Dieu. Et il nous a donné l'exemple, les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre. Nous savons comment nos mamans, nos parents faisaient. Moi aussi, j'ai participé à aider ma mère à aller dans le champ pour semer le riz. Quand on part semer le riz, c'était pendant le mois de juin. On sème le riz pendant le mois de juin. Et il faut attendre peut-être après 3-4 mois avant que le riz soit prêt pour aller récolter, mes bien-aimés. Donc, c'est ça, il faut être patient. Patient, mais quand le malheur, on a semé, nos parents allaient encore pour mettre la propriété dans le champ, pour enlever les épines, pour enlever les arbres qui peuvent nuire au riz, mes bien-aimés, jusqu'à après 3-4 mois, on va aller maintenant pour la récolte. Allez, maintenant, on est dans la joie.
Ce n'est pas facile. Quand on sème à pleurant. On est fatigué, il y a de sueur. Mais quand tu parles dans les champs, tu trouves que les champs, maintenant, est prête, la récolte est prête, on est dans les champs. Quand on nous amène des maïs et des champs, on est très, très, très content. Il y a des arachides, nous sommes contents. Le riz, les riz nouveaux, alléluia, c'est de la fête. Mais bien aimé, c'est ça l'exemple que l'apôtre Jacques nous donne. Quand on attend Jésus-Christ, nous sommes encore dans ce monde. Il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des afflictions, il y a la pauvreté qui nous frappe, il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent. Mais le jour quand Jésus-Christ va venir, le jour quand on sera avec Jésus-Christ, nous allons oublier toutes ces souffrances, tout ce là-bas, puisque là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y aura pas d'affliction, il n'y aura pas peut-être le membre de famille qui va aller chez les féticheurs pour chercher, pour faire des sacrifices, pour tuer, pour offrir le sang humain. Il n'y aura pas de ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous exhorte d'être patient dans l'affliction, mes bien-aimés. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous avons, devons être patients. Même la maladie, quand elle vient, d'un coup, tu vas sortir. Peut-être ça a commencé à ronger, mais on n'a pas fait attention. Mais quand ça va s'éclater, alléluia, peut-être un matin ou un soir, comme ça, la maladie s'éclate. Alléluia. Mais pour recevoir la guérison, le médecin va commencer à soigner. Ça va prendre peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année pour que la personne retrouve encore sa santé, mes bien-aimés. Alléluia. Mais dans tout ce processus, mes bien-aimés, de la recouvrerie, de la guérison, il faut être patient. C'est pourquoi quand on donne le comprimé, on donne peut-être le traitement. Il faut le traitement, il faut prendre le midi, soir, midi, matin, soir. Quelque chose, il faut prendre seulement le matin. Il faut manger avant de prendre. Il y a des instructions à faire, mes bien-aimés. C'est ça. Quand nous sommes en train d'attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des instructions, mes bien-aimés. Il y a le temps où il faut passer dans le jeûne et prière. Il y a le temps où il faut passer dans les méditations. Il y a le temps où il faut passer peut-être à chanter, à louer l'Éternel. Il y a le temps où tu peux après le travail, peut-être tu vas prendre 30 minutes toi-même avec ton Dieu. Il y a le temps d'avoir patience. Alléluia. Dans la fusion. Jésus-Christ était sur cette terre, on a insulté, il a souffert, mais il n'a jamais rendu insulte sur insulte, il n'a jamais insulté, il n'a jamais haï, il n'a jamais renvoyé le mal pour le mal. C'est pourquoi il nous donne aussi, nous, il nous demande aussi, nous aussi, d'avoir cette patience que Jésus-Christ avait. Il ne faut pas rendre le mal sur le mal, il ne faut pas haïr ton prochain, il ne faut pas faire le mal à ton prochain, mes bien-aimés. Et il nous dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne jugiez point. Alléluia, que vous ne soyez pas jugés. Pourquoi vous plaignez, mes bien-aimés? Si ton ami t'a fait quelque chose, il faut trouver ton ami, il faut trouver ton frère, il faut trouver ta soeur dans l'amiable. Vous allez nous arranger la situation au lieu peut-être d'aller se chamailler, aller se battre. Ce n'est pas encore le temps de se battre, ce n'est pas encore le temps de se chamailler entre les femmes, entre l'homme et le mari et la femme. Et quand il y a une situation qui s'arrive, il faut seulement s'asseoir, il faut trouver la solution au lieu de passer par les chiffres, il faut passer par des insultes. Non, mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher selon l'amour, nous aimer les autres, mes bien-aimés. Il a dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. Nous voyons par exemple le prophète Jérémie. Je prends l'exemple du prophète Jérémie. C'était un prophète qui avait souffert. Dieu l'a établi depuis le ventre de sa maman et partout il a annoncé la parole de Dieu. Il y avait des Juifs. Et même si nous prenons l'exemple de Paul, que nous avons eu sur notre étude biblique,
le mercredi passé, le mercredi la semaine passée. Nous voyons comment l'apôtre Paul, partout où il allait, il faisait aussi des miracles et des guérisons, enseignait dans les temples. Après avoir enseigné, après avoir eu de faire des miracles, des prodiges, alléluia, on cherche à le lapider, on cherchait toujours à le lapider, on cherchait toujours à le frapper, mes bien-aimés. Mais après ça, il ne se battait pas. Il va quitter cette ville. Si on lui demande de quitter la ville, il va quitter pour aller dans notre ville. Là-bas, il va commencer aussi à enseigner. Après avoir enseigné, on cherche à le tuer. Il va quitter pour aller dans notre ville. C'est ça, mes bien-aimés. Il ne faut pas rendre insulte. Ils étaient patients et ils continuaient toujours à faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, la patience que Dieu nous demande. Quand on vous insulte, il ne faut pas dire, OK, je ne fais plus l'œuvre de Dieu puisqu'on m'insulte, puisqu'on me critique, puisqu'on m'injurie, puisque ceci, cela. Nous devons continuer à faire l'œuvre de Dieu jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 11 dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous voyons tous, nous connaissons toute l'histoire de Job, mes bien-aimés. Job qui était un homme riche, il était entouré de sa femme, était sa femme avec ses troupeaux, tout ça. Mais l'ennemi, Satan, alléluia, l'accusateur, il est allé accuser, alléluia, il était devant Dieu. Et pour accuser Job, il a dit, puisque Job t'obéit, il te suit, il respecte, il fait ceci, cela, puisque il a accordé des richesses, il est élevé avec sa femme, avec ses enfants, avec ses brebis, touche seulement à ses biens, tu vas voir comment Job va te renier. Mais bien-aimé, Dieu avait permis, malgré que Satan a attaqué les enfants de Job, a attaqué le premier, le serviteur, même sa santé. Job n'a pas renié le Seigneur. Job a gardé la foi jusqu'à la fin. Même sa femme disait de maudire l'Éternel afin de mourir. Mais Job n'a pas fait mes bien-aimés. Alors toi et moi, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les afflictions, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, quelles que soient les insultes, quelles que soient les menaces des hommes, mes bien-aimés, nous devons garder notre foi jusqu'à la fin. Nous voyons la fin de Job. Après, Dieu l'a rétabli, il a donné double de ce qu'il avait en avant, mes bien-aimés. Alors, la patience a produit de fruits, mes bien-aimés, dans la vie de Job. Il a eu de belles filles, il a eu de beaux garçons, et la femme a été encore heureuse, il a eu une richesse double portion, mes bien-aimés. C'est pourquoi il nous demande d'être patients. Quelque sorte, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu a un bon plan. Il faut savoir mettre ça dans nos têtes que Dieu a un bon plan pour ma vie. Dieu a également créé avec un bon plan, un plan de bonheur et non de malheur. Quelle que soit l'affliction, quel que soit le malheur qui m'arrive, je sais que Dieu va se montrer. Dieu va se montrer, Dieu va se lever le dernier pour défendre ma cause. Dieu va me guérir, Dieu va me délivrer, Dieu va me bénir. Je ne mourrai pas pauvre puisque Jésus-Christ est mort pauvre afin que je sois riche. Mais bien aimé, il faut confesser les paroles de foi. Alléluia. Et nous allons. Je sais que Dieu va nous restaurer, quelle que soit l'inflation, quel que soit le degré de condamnation. Dieu va nous restaurer puisqu'il est notre Dieu. Il nous aime et conditionnement, mes bien-aimés. Il a dit que quand notre Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, il est plein de miséricorde et plein de compassion, mes bien-aimés. Il ne va pas te laisser, alléluia, mourir dans ces conditions. Il ne va pas te laisser dans cette pauvreté pour l'éternité. Il ne va pas te laisser dans cet état de maladie pour toujours. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui délivre. Dans les situations qui nous arrivent dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, Dieu, c'est le mien que Dieu qui va changer leurs conditions, il n'y a que Dieu qui va les rétablir. Donc, nous devons toujours avoir patience et mettre notre espoir à notre Dieu. Il est là pour accomplir tout ce qu'il nous a promis, mes bien-aimés. Quand il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour changer ses paroles, mes bien-aimés. Nous devons être patients. Amen. Le verset 12, il dit, « Avant toute chose, mes frères, ne jugez, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par
aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non jusqu'à ce que vous tombiez. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Les bien-aimés, nous avons dit oui à notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons dit oui. Alléluia. Il nous demande encore, mes bien-aimés, d'être sincères à nous-mêmes et sincères envers les autres. Quelque chose que tu sais que tu ne sauras pas le faire, il faut dire la vérité. Il faut dire non ou il faut dire oui. Alléluia. Mais il ne faut pas jurer. Ne jure pas. Oh, je jure par moi-même. Oh, je jure, papa. Oh, je jure, c'est là. Non. Il nous demande de ne pas jurer. Mais il faut seulement accomplir nos paroles. Si tu as dit oui, que ton oui soit oui. Si tu as dit non, que ton non soit non. Il ne faut pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, mes bien-aimés. Alléluia. Bienvenue sa parole, mes bien-aimés, ce matin. C'est nous devons garder notre être patient jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les oppressions, malgré les troubles, malgré les maladies. Nous devons garder notre foi jusqu'à l'avènement de notre Jésus-Christ. Que personne nous éloigne de l'amour de Dieu. Quelles que soient les souffrances, ne peuvent pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Les afflictions ne peuvent pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Car il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui guérisse. C'est à nous seulement d'augmenter notre foi, de nous attacher à lui et de faire sa volonté, mes bien-aimés. Et il est l'éternel des armées. Il va nous guérir, il va nous guérir, il va nous délivrer. C'est mal comme nous avons dit hier, il nous a parlé hier de nettoyer nos mains, nettoyer nos cœurs, que nos cœurs soient purs devant lui et que nos mains soient pures, soient innocentes. Alléluia. Et Dieu va faire ce qu'il a promis, il va faire quand il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il est Dieu miséricorde et Dieu compatissant, riche en bonté. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour dire merci, pour recommander ce jour, alléluia, la journée d'aujourd'hui entre les mains de l'Éternel. Et nous allons demander la puissance de cet esprit. Comme nous, mes bien-aimés, puisque l'Esprit de Dieu qui va nous aider, alléluia, lui qui est Jésus-Christ, il nous a laissé l'aide, alléluia, que Jésus-Christ nous a laissé, il va nous aider dans nos faiblesses, il va nous donner la force de poursuivre, il va nous donner la force de continuer, alléluia, attendre la promesse de Dieu jusqu'à être fidèle jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Demandons à notre Saint-Esprit de nous donner la patience de supporter la patience jusqu'à ce que nous ayons la guérison, la délivrance, tout ce que nous demandons, que l'Esprit de Dieu nous donne la patience, qu'il enlève le murmure, qu'il enlève le doute, qu'il enlève le complet. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père Saint, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Ce matin, Père Saint, selon ta parole que tu nous as donnée ce matin, d'être patient, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Père, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit saint. Que l'Esprit Saint nous aide à demeurer ferme dans notre foi. Que le Saint-Esprit nous aide à supporter les épreuves. Que le Saint-Esprit nous aide, alléluia, à rester fidèles jusqu'à la fin de nous, jusqu'à l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, après avoir souffert sur cette terre et aller encore dans le feu éternel, non, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ton esprit, c'est que l'Esprit Saint qui nous aide à marcher digne des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à toujours, alléluia, à nettoyer nos cœurs, à nettoyer nos mains, à renouveler notre intelligence chaque jour au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à mourir en soi chaque jour au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous guide, nous dirige au nom de Jésus-Christ. Ordonne nos pas chaque jour et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-nous, Seigneur Jésus-Christ, avec ta puissance de cet esprit, car comme tu avais
Rappelle, Seigneur Jésus-Christ et Paul, alléluia, car ils étaient remplis de cet esprit, tu les as mis à l'écart, et partout il allait, mon Dieu, mon roi, tu étais avec lui dans les souffrances, il a donné la sagesse, de la révélation, de comment ça sortit, mon Dieu, mon roi, donne cette sagesse, cette intelligence à mes bien-aimés, de comment ça sortit dans leurs problèmes, comment ça sortit dans leurs difficultés, révèle-nous, Seigneur Jésus-Christ, des choses cachées, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-nous, Seigneur, ce matin, avec la puissance et la plénitude de cet esprit, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous enseigne tes voies, et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci car tu es le roi des rois, tu es le Dieu miséricorde, Dieu compatissant, Dieu riche à bonté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta présence dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la sagesse, merci pour l'intelligence, merci pour la révélation, merci pour la connaissance de ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour la crainte, alléluia, de l'éternel que tu as mis dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'esprit de patience, alléluia, pour la patience que tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la persévérance, maman, dans la prière, dans la communion chrétienne. Merci, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Pour la paix que tu as, la paix que tu as mis dans nos cœurs, pour la joie que tu as mis dans le cœur de mes bien-aimés ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, te disons merci. Merci les rois des rois, merci les bons bergers, car tu es Dieu, tu es Seigneur, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles, c'est toi. Que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent, toi qui vis et règne pour le siècle et le siècle. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons encore prier au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore recommander, alléluia, nous recommander à que le maître de l'éternel, mes bien-aimés, tu connais ta souffrance, tu connais ce que tu es en train de traverser, mes bien-aimés, tu connais ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie aujourd'hui. Alors nous allons recommander nos sons à l'éternel, nous allons mettre encore nos confiances à l'éternel, et l'éternel va agir dans nos problèmes, quel que soit ce qui nous arrive, Dieu est là pour nous délivrer. Prions au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, prie pour ta maladie. Si Dieu va te guérir, si tu as des difficultés, prie, Dieu va intervenir. Si tu es dans une situation que tu cherches la solution, Dieu va intervenir. Si tu veux la paix, il est la prince de la paix. Si tu veux que, alléluia, tout ce que nous voulons, Dieu est là. Si tu veux la richesse et le travail, Dieu est là pour nous donner. Demandons au nom de Jésus-Christ, présentons nos caisses devant l'éternel. C'est la raison pour laquelle nous sommes ce matin, c'est pour nous offrir devant notre Dieu, offrir, nous sacrifier, alléluia, répandre nos cœurs, nos besoins devant l'éternel et recommander la journée afin que l'éternel nous guide et nous protège. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Père, je te recommande tes enfants qui sont en train de prier dans les quatre coins du monde, te rendre des amis de gloire. Toi qui sens de leur cœur et leur rêve, tu connais leur cœur désir, tu vois leurs afflictions, tu connais leurs problèmes, tu connais pourquoi ils sont en train de crier vers toi, ils te rendent des amis de gloire. Tu es le restaurateur de brèche, ils te rendent des amis de gloire, que tu restaures la santé de tes enfants. Ceux qui sont malades, te rendent des amis de gloire. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérisse, et dans ta main puissante, ce matin, touche tes enfants, touche Seigneur Jésus-Christ, mets fin à cette affliction de douleur, mets fin à cette affliction de maladie dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, que tes enfants reçoivent leur guérison à partir de la tête jusqu'aux pieds au nom puissant de Jésus-Christ, que cette hypertension diminue aujourd'hui et quitte la vie de ton fils et de ta fille au nom puissant de Jésus-Christ, que ce diabète quitte la vie de tes enfants aujourd'hui et cela au nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de COVID-19 quitte la vie de tes enfants aujourd'hui et cela au nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de sang, que de paralysie, qui te libère la vie de tes enfants aujourd'hui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit, alléluia, de cancer, quelle que soit son origine, sa provenance, libère et quitte la vie de tes enfants aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que toute maladie qui afflige tes enfants aujourd'hui, Père Saint, il n'y a pas de maladie incurable devant toi, aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du
cet esprit, que cette maladie libère, libère le corps, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma soeur, de nos enfants aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prendre autorité contre toutes les maladies mentales, et c'est là au nom puissant de Jésus que je les déracine dans le corps de tes enfants aujourd'hui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ta parole déclare dans l'évangile de Matthieu que toutes les plantes que le Père n'a pas plantées sera déracinée, jetée au feu. Oui, je déracine cette maladie. Alléluia, maladie mentale, au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, je renvoie dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine cette maladie. Alléluia, des cancers dans le corps de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Et je commande aux cellules, alléluia, de la vie dans le corps de tes enfants de fonctionner normalement. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à l'ennemi de quitter, de libérer la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu pour consumer les myomes et les kystes. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu les consume. Alléluia, qu'ils sortent par les liquides, solides, vapeurs. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ils te rendent des amis de gloire, que ta main puissante, alléluia, touche, mon Dieu, mon roi, alléluia, le corps, alléluia, âme et esprit de tes enfants aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui retrouve, qui regagne encore la paix, la santé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans leur maison, paix, tristesse, tout ce que nous prions pour éteindre des amis de gloire, quand tu es Dieu qui guérisse. Père, que ta main puissante les touche, envoie la santé, la guérison, alléluia, et la paix dans la vie de tes enfants aujourd'hui, ce matin. Et cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tous ceux qui prennent leurs médicaments, Père, c'est les médicaments qu'ils vont prendre ce matin, que ces médicaments soient le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, qui va apporter la paix dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens neutraliser toutes les effets secondaires de médicaments, au nom de Jésus-Christ. Je viens contre tout l'esprit d'erreur médical, alléluia, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom, Seigneur, pas de guérison, pas de signe miracle dans la vie de tes enfants aujourd'hui, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente de tes enfants qui sont dans des prisons, prisons sataniques, prisons physiques. Père, tu les délivres. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute la voix de tes enfants qui crient vers toi, papa. Oh, Jésus-Christ, tu étais mon pauvre, afin que tes enfants soient riches, afin que nous soyons riches. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre les portes, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les portes des connexions, Seigneur Jésus-Christ. Quand c'est toi qui donnes le pouvoir d'acquérir de l'argent, ouvre de la richesse, ouvre, Seigneur Jésus-Christ, les trésors qui sont cachés au nom de Jésus-Christ. Connecte-nous, connecte tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci puisque tu es le roi des rois. Merci, le Seigneur d'Israël. Merci, Jéhovah, jureur de Dieu qui pourvoit à nos besoins. Merci, Jéhovah, enfant de Dieu qui nous guérisse. Merci, ton des amis, quand tu as dit que tu enlèveras de maladie au milieu de nous. Merci, puisque tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, de femmes qui avortent parmi nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la multiplication. Merci pour la fécondité de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ton des amis, de quoi? Oh, pour le mariage de ma soeur, de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons nous recommander encore, nous allons encore invoquer le sang de Jésus-Christ, de nous protéger aujourd'hui, de protéger nos enfants, de protéger ceux qui vont sortir aujourd'hui. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous rende invisibles aux attaques de l'ennemi. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, invoque le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous rende invisibles et inaccessibles aux attaques de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nos enfants qui partent à l'école ce matin, Seigneur, je les couvre avec le sang de Jésus-Christ. Mes bien-aimés qui vont conduire, je plonge leur voiture dans le sang de Jésus-Christ. Les bus, les trains qui vont prendre sont remplis du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ leur protège au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ anéantit toutes les pièges que l'ennemi a perdu devant nous aujourd'hui. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre tous nos enfants, que le sang de Jésus-Christ couvre nos maisons, que le sang de Jésus-Christ protège notre travail au nom puissant de Jésus-Christ, dans nos bureaux, que le sang de Jésus-Christ neutralise et balaye tout ce que l'ennemi a déposé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père,
Que ton amour, que ta paix, alléluia, nous accompagne aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette journée de vendredi, Père très saint, soit une journée, alléluia, de gloire, une journée de paix, une journée de joie dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Pas de bonnes mauvaises nouvelles au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Et cela au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que la paix, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous accompagne aujourd'hui partout où vous irez. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve à 18h pour continuer encore avec la prière au nom de Jésus-Christ. Amen.